Panique au potager. Panique au potager. Texte de Françoise Bob. Illustration de Yann Lovato. Bicorne est un drôle d'escargot. Il est grand, il est beau et il sait lire. Oui, Bicorne est un escargot qui sait lire. Il faut dire que Monsieur Dulaurier, le jardinier, l'a aidé sans le savoir. Au bout de chaque sillon, cet amoureux des jardins et des petites bêtes plante toujours une baguette d'osier. Et dans cette baguette d'osier, fendue, il glisse une solide étiquette. C'est grâce à ces étiquettes portant le nom des légumes que Bicorne a appris à lire. Régulièrement, l'escargot lit et relit. Poireau, petit pois. Il lit en mâchant un peu de chaque plante pour ne pas se tromper. Artichaut, haricot. Tous les gastéropodes font des yeux ronds d'admiration en déambulant derrière lui dans les allées. Chou-fleur, carotte, courgette. Une nuit d'été, sous la lanterne de la luciole, Bicorne a même lu « Les secrets du haricot magique » dans un livre oublié sur le banc. L'escargot savant coule des jours heureux dans le potager de Monsieur Dulaurier. Mais un soir, le jardinier est fâché. Ses plus belles salades sont envahies par les limaces. Ah, mes jolies, vous allez déguster la vieille recette amère du père Dudu, marmonne-t-il dans ses moustaches. Entre les salades, il dépose des soucoupes remplies de bière pour éloigner les limaces. En catimini cette nuit-là, les petits gris goûtent le breuvage qui leur a fait faire des bêtises. Entre roulades et cabrioles, ils s'amusent avec les précieuses étiquettes. Devant la rangée de laitue, ils plantent l'étiquette cornichon. Devant la rangée de radis, l'étiquette ciboulette. Devant la rangée de tomates, l'étiquette brocoli. Au petit matin, Bicorne n'en croit pas ses yeux. Il est furieux. Il secoue les garnements endormis. « Qu'avez-vous fait, chenapan ? Venez vite réparer vos bêtises !» Les polissons pleurnichent à l'unisson. « Comment ? Nous, on ne sait pas lire !» Quelle panique dans le potager ! L'escargot ne sait plus où donner des cornes. Cette étiquette va ici, celle-là devant les radis. Chou, c'est tout au bout. Allons, allons, dépêchez-vous. Si Monsieur Dulaurier voyait cette débandade dans les allées. Un jour, il avait dit, « J'aime bien vous rencontrer après la pluie, mais gare à vous si vous saccagez mon potager. » Soudain, l'escargot
sent de nouveau ses cornes vaciller. « Non, pas comme ça, dans l'autre sens. Celle-là est aussi à l'envers. Il faudrait qu'un jour je vous apprenne à lire. » Bientôt, les pas du jardinier se rapprochent. Tous les gastéropodes ont déjà filé. Tiens, mes étiquettes ont l'air un peu penchées. Le vent a donc soufflé si fort cette nuit, s'étonne Monsieur Dulaurier en inspectant son potager. Plus loin, à l'abri d'une feuille de rhubarbe, Bicorne pousse un ouf de soulagement. C'est alors qu'il aperçoit que le plus jeune des petits gris l'a suivi. « Je suis impatient d'apprendre à lire. Quand va-t-on commencer ?» C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu.